urgent. Pourrais-tu fermer les stores? Est-ce que ça a été voté, ça? On a tenu une assemblée plénière dans l'auto ce matin et c'était le cinquième point à l'ordre du jour, tu te rappelles? Tu as raison. Bon, alors je m'oublie pour le mieux-être du groupe. Je ferme les stores. Maintenant, Jean, à ce stade-ci, non pour parler. Le temps est venu de se déshabiller. Tu veux dire d'afficher la couleur de nos shorts, peut-être? Oui, commence d'abord, Jean. Mais peux-tu formuler ta proposition dans les règles? Hé, hey, voudrais-tu te déshabiller en premier? Bon, est-ce que ça a été voté, ça? Lors de notre dernière assemblée de préparation au mariage, on a décrété à l'unanimité que c'était l'homme, donc toi, Jean, qui se déshabillait en premier. J'aurais... D'accord. J'accepte, j'accepte. Mais j'aurais une sous-proposition et un amendement à exprimer. D'abord, j'accepte de débuter cette sorte de pseudo-striptease, mais dans une perspective beaucoup plus coopérative. C'est-à-dire? Bon, j'enlève mon haut, tu enlèves le tien, et ainsi de suite, le tout selon une procédure articulée et concertée. Est-ce qu'on fait un vote à main levée? Non. C'est tout à fait antidémocratique et tu le sais. D'accord, mais avant tout, il convient de définir les attentes respectives des parties devant l'acte sexuel. Alors, je vais t'exprimer ma position. Bon. Oh non. Alors, toi, tu es comme une unité d'accréditation, d'accord? Ouais. Et moi, je suis la partie patronale, d'accord? Oui. Bon. Alors, toi, tu te places à l'horizontale, comme ça, et moi, je me coucherai ma partie sur ton unité. Bien sûr, tu conserves toujours des moyens de pression si t'es pas satisfaite. Je seconde la proposition tout en réservant un droit de réplique. Alors, allons-y. Hey, faisons l'amour! Hey, est-ce que c'est bon? Selon les droits que reconnaît ma convention, j'aimerais déposer un grief. Lequel? Pour un changement de position illégal. Mais hey, est-ce que... Hey, est-ce que ça a été voté? Moi, tant que ça, je m'en passerai pendant des années, hein? Ça se peut plus. Ça prend Jean-Marc seulement. Quelle belle nuit de noces, ça devrait être le fun.